Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos de Civilization 5 en compagnie de Yann Hamu. Bonjour à tous les amis, ici Yann Hamu et bienvenue pour ce 31e épisode de la série. En vérité le 39e si on compte les 8 interludes qui sont sur ma chaîne, donc vous pouvez bien entendu aller voir. Et donc, Learn to Play s'est donné pour mission aujourd'hui de conquérir. Donc, l'ERA s'est fait. Il l'a fait pendant l'entre-deux vidéos. Hein, voilà. Et Luanda. Voilà, tout donc, à fait. Donc, l'Organisation des Nations Unies s'est réunie et votre délégation attend vos ordres. Alors, promulguer embargo sel, franchement, j'ai bien envie d'en foutre plein dessus. Ici, Louis va l'emporter. Clairement. Donc, embargo Portugal, je vais mettre 5. Putain, la marre des sous-marins japonais, là. J'en mets 6, histoire 2. Mon ah ouais, non, Dieu, non. Les sous-marins japonais. C'est un flé. En fait, il faut que je mette 11 non ici, parce que au ratio, logiquement, ici, ça devrait pas passer. Allez, j'engage les délégués. Attends, je suis pas tout moi du coup. Alors, qu'est-ce que c'est? Embargo celte, non. On va mettre 5 non. Embargo Portugal, oui. Engager voilà. Les délégués. Voilà. Alors, toi, tu as tout fini. Oh, putain, voilà. Je perds des citoyens à Coimbra, c'est chaud. Bon, en même temps, il a rien. Il n'y a pas de bouffe à Coimbra. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les mecs? C'est pas faux. Bon, du coup j'ai capturé l'Aira juste en l'entre-deux trucs là, comme disait Yanamu. Voilà. Et voilà quoi. Et voilà. Et ça m'a mis dans la merde noire, si je puis dire. Ah bah oui, tu dois avoir un paquet de malheur là, non? Oui, 18. Le mec. Je vais essayer d'aller choper Luanda. Donc Bordeaux a basculé dans le yanhanisme. Hey, il a fait Bordeaux le sagouin. La ville est occupée. Bon allez, je vais acheter un tribunal. Ah là, je suis plus qu'à 13 de malheur. Donc ici, nous allons yanhanismer Marseille. Yanhanismer. Alors. Voilà, Marseille et yanhanismer. Ah, bien joué, ça c'est bon ça. De quoi? C'est cool. Bah en fait, j'ai je sais pas ce que j'ai foutu dans mes trucs de religion là, mais bonheur général plus 1, toutes les deux villes converties à cette religion. La nourriture croît 15% plus vite. Donc, voilà quoi. Bah ouais, c'est... C'est cool. C'est cool, c'est cool. Toi, Michel, tu vas pouvoir aller là. Alors, vous allez vous soigner, hein, mes bombardiers furtifs. Chérie. Voilà. Et logiquement, avec là, ce que j'ai ici. Ah, il me faut 1130 pour un prophète illustre. Bon, bah, on va attendre. Hein. Bon, ben moi, je suis prêt à passer le tour, du coup. Ah, j'ai un méca colosse qui a... Qui a failli. Moi, faut juste que je construise des trucs et ça devrait le faire. Tour allez, suivant. Richesse. Construction en Funchal. Richesse. Donc, ben voilà, hein, voilà, quoi. On attend toujours Learn to Play, voilà. On attend toujours Learn to Play. Oh, on va se calmer, hein. Excusez-moi si monsieur n'est pas content. Hein? Non, parce que bon... Encore et toujours le même qu'on attend. Il a 300 millions de citoyens. Ah. Ah oui, 300 millions, j'ai passé la barre, les amis, c'est fou. 300 millions, 37 000 habitants, tout pile. Désormais, je vais offrir des missiles nucléaires. Et le Portugal, c'est le dernier maintenant, hein. C'est ouais. Le Portugal est dernier partout au classement quasiment. Non.
Ah non, c'est moi En soldat. soldat et en Soldat, c'est approbation, c'est moi. toi. Putain, c'est quoi le bordel? Bon, approbation, je suis d'accord, mais soldat, putain. Putain, c'est quoi ce bordel? Les mecs, tu sais pas d'où ils sortent, ils font du moins 3000 par tour, mais ils te sortent quand même des unités, quoi. Ouais, je suis Bon, pas une con. fois que j'aurai Nagoya et Matsuyama, ce sera beaucoup plus simple pour le d'aller défoncer le Japon. Toi, faut que Carrément. tu. Théodora, là, avec qui? Avec Catherine? Ouais, faudrait que. T'inquiète, c'est prévu. Peut-être pas pour cet épisode, mais pour le 40e épisode, du coup, en totalité, je pense que je vais déclarer la guerre. D'accord. Je vais essayer d'aller voir si je peux commercer hostile. D'accord, non. Je peux pas. Ah bah non, mais ils sont tous Hostile. hostiles, là, voilà, quoi. Non, enthousiaste. Eh! Moctezuma, il perd 3, moins 3500 et pourtant il est enthousiaste. Hein? Alors prenez exemple sur lui, s'il vous plaît. Genghis Khan, pourquoi il est contre nous, lui? Genghis. Ah oui, il est avec Marie Première. Oui. Il est avec l'autre. Et je vous dis ça comme ça, mais votre armée fait doucement rigoler le reste du monde. Enfin, ne vous laissez pas abattre, quelque chose me dit, quelqu'un s'en chargera bientôt. Alors toi déjà, ouais. Hein, déjà je suis pas d'accord. Vous nous avez atomisés. Voilà. Ouais, j'ai commercé avec l'allemand là, c'est bon là. Allez hop, j'ai réduit mon déficit. Et en plus de ça, j'ai perdu du malheur, donc c'est bon là. Là, je suis en bonne voie. Allez, tour suivant. Là, on est sur une bonne voie. Je viens de claquer dans les mains alors que j'avais des ampoules. Aïe, 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 aïe. Ça fait mal. Ah, Quel con. saloperie. Mais quel con Saloperie. Saloperie ce savoureuse. mec! Ce mec! Bon. Eh, putain, le japonais, il a un colon. Qu'est-ce qu'il fait avec son colon, là? Je sais pas. Il est sérieux, le japonais? Je sais pas s'il est sérieux ou pas. Il Et voulait le... peut-être, à mon avis, coloniser l'espace entre-deux qui est entre Luanda et Satsuma. Résolution promulguée, embargo Portugal adopté. Oh merde. Oh, je gagne de l'argent. Je gagne de l'argent et j'ai réduit de... C'est fou Ben, si ça. l'embargo sur le Portugal a été adopté, c'est bon ça. Ah, par contre, je crois que j'ai perdu des citoyens. Ah non, mais c'est normal, c'est parce que c'est la famine. Ah oui, ça oui. Embargo, celte, résolution non promulguée. Cool. Oh, j'ai battu. Embargo Portugal, résolution promulguée. Ah, oh, j'ai battu la Portugaise sur son propre terrain, quoi. Ah, c'est bien C'est beau ça. ça, c'est une victoire ça. Ça, c'est bien. Alors. Bon, toujours le chargement de l'infini. Ouais, Ah, toujours j'avais tu oublié avantages. mon bateau amiral là. Oula. Alors, c'est à mon tour de faire une proposition. Décidément, c'est toujours le même couillon de faire des propositions, hein. Vous avez remarqué, les gens, je pense. Bon, allez, quand tu veux, le chargement de l'infini, là. Alors, y a pas de ville qui est en aéroport ici. Ah, si. Ah, allez, ah, quand même. Non. Abroger embargo Portugal, lol. Allez, bon, bah, Luanda sera bientôt à moi. Allez, hop. Oh, il a encore un sous-marin, lui. Il est sérieux. Et évidemment, je vais pas pouvoir l'avoir. Ah, je le conchis, sérieux. Ah, si, je peux me mettre là. Super. Ah, mais Résolution si, promulguée. je vais pouvoir l'avoir. Attends. Il suffit que je fasse ça. Ça. Le petit bombardier furtif du plaisir. Voilà. Embargo dans tous les sens ici. Qu'est-ce que je vais faire comme proposition? Coimbra, Leyra. Putain, ils crient tous famine là. C'est tendu, hein. Alors, ouais, un bombardier furtif a gagné l'expérience. Bah On est en écoute. guerre contre la Mongolie, hein? Oui, on est en guerre, tout à fait. Allez, on va promulguer un embargo sur l'Indonésie. Parce que ça va plus, ça.
Ah, ça commence à arriver. Viens par là, Léon. Et un sous-marin en moins. Je vais Alors, notre ami bientôt Prophétius avoir va aller la masse ici. de thunes. Je vais bientôt avoir la masse de thunes parce que mon marchand illustre se rapproche de Kuala Lumpur. Et sachant que j'en ai un autre. La tutune, Yanamu, la tutune. C'est la tutune. C'est que ça, c'est que de la tutune. Tant mieux, ça de la thune. Moi, j'en ai pas de thune. Et il va finir par. Il va me capturer mes ouvriers, l'enfoiré. Ah putain, il n'y a pas assez de place pour mettre des chefs-d'œuvre dans ces trous. Putain, lui, qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là là, décidément. Alors, unité terrestre, ouais. Ah, ça, je veux. Ouais, lance-roquette en moins. Qu'est-ce que je peux faire sinon? Ah ouais. Ouais. Un lance-roquette en moins. Oh, je vais lui capturer son colon. Dit comme ça. Oh, il en a deux en plus des colons. J'en ai capturé un. Oui, dit comme ça fait bizarre, je t'avoue. Mais non, mais attends, Edenbourg, j'ai choisi de faire l'ermitage, connard. Oh, cette violence dans le langage. J'en ai encore pour combien de temps? À 4 tours. Ce serait bien si on pouvait faire 4 tours. J'aimerais bien aussi. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils disent tous. Hein? Waouh, c'est quoi ce boucan qu'il y a dehors là? Bonne question. Toi seul peux répondre à cette question. Waouh, je crois qu'il y a un putain d'orage dehors. T'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Eh ben voilà. Tu connais ma réponse. Eh ben on va tourner cet épisode vite. Oh, Waouh. franchement, ça va. Hein. C'est vrai que les orages là. Chut, Léon, tais-toi. Ça va péter là, ça va péter. Un, deux, trois. T'es l'éclair de l'infini, quoi! Il s'arrête pas le truc! Ah putain, comment il s'est Écoute ça, fait écoute la troll. pluie! Ah ouais, ça veut dire qu'il pleut chez moi, non? Non, bah Non, moi non, j'entends rien, moi. on est à 300 bornes, garçon. Ouais, mais même. Chut, ça va arriver là. Il y a le grondement. Il y a Il le y a le grondement grondement. de l'infini. Ah là, il y en a mu qui mettent les éclairs, c'est mignon. Mais le truc il s'arrête pas, quoi, je vous jure, le ciel est tout blanc là-bas! Bah écoute, ça s'appelle un orage, hein. Et quand il fait de l'orage dans le sud-ouest, en général, Violent. c'est très violent, Ah, ça va refroidir, ça va faire du bien. Tu me dis quand t'as passé le tour, hein, en fait, hein, non, parce que. ouais, 2 secondes. Du Bon, coup, moi, c'est pendant ce pas temps-là, je vais grave. mater l'orage, hein. Ah ouais, tu mates des orages, toi. Ah ouais, j'adore mater les orages. C'est génial de mater les orages. Ah, c'est sale. Allez, un bon gros bruit d'éclair, là. Waouh, putain, cet éclair. Oh! Malheur! Ah, malheur, Je suis hein. sûr que celui-là, tu l'as vu depuis Bordeaux. Ouais, au moins. Mais attends, mais le truc, il a zébré tout le ciel, quoi! Oh, carrément, quoi. Eh, mais c'est quoi là-bas? C'est du radar des flics ou bien c'est un orage qui se passe là-haut? C'est tout blanc sans arrêt, tu sais, ça fait tac, 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 comme si ça prenait des photos. Waouh! Oh, l'orage de Ouais. malade. Le vent, tu l'entends pas dans le micro, ça va? Non, 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 t'inquiète. Je vais m'acheter deux bateaux ateliers. Ah, par contre, ça coûte cher, cette saloperie. Bon les gars, une fois n'est pas coutume, vite ma caméra elle est où? Ah, Il il faut va absolument que filmer, quoi. je vais vous montrer ça dans un petit cadre juste à côté, juste en bas là où c'est qu'il y a marqué un temps de joueurs, hein, les gens. Je vais essayer de m'arranger au montage pour faire ça, je vous promets absolument rien. Mais il faut que je filme. Mais c'est un orage, Yanamu. Tout le monde a vu un orage dans sa vie, rassurez-vous. Ouais. Ah Donc là là, là c'est très la Yanamu. voiture qui passe. Alors il est où? Vous voyez là-bas là? Sans déconner, ça arrête pas. C'est blanc, blanc, blanc comme ça. Voilà, comme celui-là que je viens de vous filmer là. Il était magnifique celui-là. Je suis en train de me prendre la flotte dans la gueule, je l'ai juste en dessous.
Dites-vous bien que c'est du live, c'est du direct. Chez nous, on est comme ça dans le sud, on est direct. Non, dans le sud-ouest. Ouais, dans le sud-ouest. Ouais, moi, je suis dans le sud, toi, t'es dans le sud-ouest. Ouais, ouais, non, t'es quand même dans le sud-ouest, toi aussi. Vous avez vu ça? Mais ça arrête pas, là. Je pense que celui-là, s'il arrive sur moi, Learn, je vais pas avoir d'autre choix que de raccrocher. Hein. Mais t'inquiète. J'espère qu'il n'y a pas de gouttes. S'il y a des gouttes sur l'objectif et tout, c'est génial. Ça, c'est en direct. Wouah! Faut que je ferme la fenêtre, les gars. Ça mouille partout, là. Ça mouille. Ça mouille. Ah ouais, non, ça mouille grave, là. Sans jeu de mots, s'il te plaît, hein. Ouais, non, t'inquiète. Là, c'est dommage, j'ai le câble qui est pas assez long, mais j'essaie. Il faut absolument que je vous montre ça, quoi. Ça y est, allez, ça tour suivant. Tomber, ça y est, ça commence à tomber, là. Ça y est. Regarde ça. Tombe la chemise, tombe. Tombe là, on va tomber. Du coup, vous risquez d'avoir le son en écho, hein. Je suis désolé, mais. Pourquoi? Bah parce que il y a aussi le son sur la caméra. Ah, mais tu l'enlèves, ça. Ouais, je vais l'enlever, ouais. Bah oui. Déjà, il va falloir que je convertisse. Le fichier pour pouvoir faire le truc, le machin, quoi. Waouh, le fait du roi est terminé. Votre blindé moderne. Allez, a été on arrête ça. Par Bizen. Oh, heureusement qu'elle est étanche, la caméra de Call of Duty, hein, moi je vous le dis. Hein. La caméra de Call of Duty. Ah ouais, c'est la caméra de Call of Duty, ouais. C'est. Ouais. Bon, va falloir que j'exploite ça. Oh putain, comment ils m'envahissent là, c'est n'importe quoi. Ouais, le tour il est pas passé encore. Ouais, je suis désolé, les gens, petite interlude orage, hein, voilà, je trouve ça super sympa les orages, moi. Allez, la tutune, je vais avoir de la tutune. De la tutune. Mission commerciale grâce au marchand illustre au 1300. Ça va. Bref, ça va être cool. Allez, tutune, file-moi la tutune, s'il te plaît, file-moi la tutune. Allez, mission commerciale, voilà, bim. Et en plus, ça me fait 30 points d'influence dans les dents. J'ai un personnage illustre qui en a qui. Ah, c'est bien. Qui est ouais. Né, tu veux dire. Ah non, qui en a qui. Ouais. Ça veut dire la même chose. Oui, non, c'est le même. Un ingénieur illustre. Allez, hop. Alors, mon petit prophète illustre qui est ici maintenant, il va aller au Cap d'Agde. Ah, Bizen, quoi. Ils ont créé une nouvelle ville ici. Ah, c'est marrant, ouais. Ça. Alors, la roquette, toi, tu fortifies, mon pote. T'as rien d'autre à faire pour l'instant. Hop. Nous avons une infanterie mécanique. Comment ça se fait que je gagne d'un coup des niveaux? Mais il y a eu un bug, en fait. J'ai un croiseur lance-missile qui prend tous ses niveaux d'un coup. Bah non, c'est parce que tu as des casernes, etc. C'est tout. Ah ouais, bah ouais. Oh ouais, du coup c'est pété. Bah oui, c'est pété. Oh, c'est pété. Mon dieu que c'est pété. Zurich a déclaré la guerre à Nobuda Ogudaga. Ah bah alors si elle a déclaré la guerre à Zuguda Namaguda. On a foutre quoi. Mais non, faut pas s'en foutre, Yanamu. Complètement, en vérité. Alors, je vais choper. Ah, oh, je suis dans le bonheur, j'ai des... C'est quoi d'ailleurs? C'est des perles, hein? Non, c'est... Oui, c'est des perles. Oh, je suis dans le bonheur et je gagne de l'argent. Oh, trop de plaisir. Putain, je peux... Mais il me sert à rien, cette putain de... Machin illustre. Ouais, ça, je m'en fous. Bon, l'orage se rapproche. Ouais, mais t'inquiète, là, pour l'instant, il est loin. Pas vraiment. Mais si, mais si. Putain, je me fais de l'XP, moi. Putain, tu vas faire de la richesse, c'est bien. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi, j'ai trop d'XP. Allez hop, tu vas te agir et... Voilà. Tu vas guérir à chaque tour, même si t'agis. Parce que t'es trop pété, le pauvre japonais, je le fais souffrir. Allez. Moi, les gens, vous me voyez en train de rapprocher les troupes. Ce n'est absolument pas anodin. Ah, je tiens à vous le dire, juste comme ça. Allez, hop. Sauf que lui va se faire bombarder.
Toi. Voilà, un porte-avions au moins. Parce que les porte-avions, putain. Mon Dieu. Bon, je suis capable de voir les sites antiques cachés. Yes, tous mes bombardiers furtifs ont l'amélioration, se soignent à chaque tour, même si elle agit. Oh, c'est bien ça. Ah, évidemment que c'est trop bien. Bon ben voilà, tour suivant. Hein? Déjà. Ben oui, déjà, qu'est-ce que tu crois, toi? Moi, je mets pas 150 000 ans pour jouer. Tu vas te calmer, hein? Tout Oh, de la pluie s'est suite. arrêtée. Hop, la pluie s'est arrêtée, les gens ont regroupé tout parce que c'est la fraîcheur extrême dehors. Ah, ils sont pétés, putain. Mes bombardiers furtifs, ils sont juste pétés. Ça, c'est de l'éclair, hein, Je les vais gars. capturer Luanda et puis je pense que ce sera bien pour cet épisode. Après, Ah, je vais ce essayer de sera faire bien. la paix avec les Portugais pour me refaire un Waouh. peu. Juste un peu. Suis désolé, les gens, je tremble un peu à la caméra. Hein. J'ai pas l'habitude de la tenir. Tu parles de quoi? La caméra. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. J'essaie de rester stable, mais c'est très difficile. Tu me dis quand t'as passé le tour, au fait, hein, Lord. Ouais, t'inquiète. Bon, du coup, je suppose que j'ai perdu des habitants. Hein. Ça, c'est l'orage qui adore. Waouh. Je pense que je vais bientôt pouvoir passer le tour là. Ouais, j'ai cliqué dessus, donc je m'en fous. Il me faut absolument créer un support là. Absolument créer un support pour que vous ayez une image la plus stable possible. Je vous avertis, hein, je prends plusieurs séquences vidéo comme ça, là, pop-up, mais je prendrai que la plus stable. Donc si j'arrive à créer un support, il me faudrait un pied en fait. Un pied, ce serait génial, un pied. Tu veux le mien? Ah, deux pieds, ouais, j'aimerais bien, franchement. Vous savez quoi, les gars? J'ai un mini frigo Coca-Cola là, il va faire l'affaire. Moi, je dis, il va faire l'affaire. Allez, tour suivant. Putain, j'ai une armée qui se rapproche pour aller leur botter le cul aux Japonais et tout là. On va enfin pouvoir vraiment avancer. Et toi, en fait, tu fais quoi là? Parce que t'es même pas en guerre. C'est quand que tu fais quelque chose? Moi, je filme, moi. Ah là, coup d'état russe à Zurich. Oh, trop fort. T'es sérieux? Ouais, ah, je suis dans le malheur encore. Ah ouais, bon, c'est un petit coup d'état, quoi. Normal. Comment ça, je suis dans le malheur? Oh, les gars, je laisse pas le matos comme ça non plus, hein. Je suis en train d'essayer de filmer l'orage, là, mais j'espère qu'il y aura de beaux éclairs sur la caméra. Putain, j'ai encore perdu un bateau de pêche. J'espère qu'il y aura de jolis éclairs sur la caméra. Et du coup, ce serait bien que peut-être que je la... Ah non, je vais laisser comme ça parce que voilà, c'est bien là. Ouh, il y a du vent. Sous-marin Il y a du vent, elle va se casser portugais. la gueule. La pluie recommence. Putain, j'ai perdu Learn. 6 de bonheur, c'est quoi ce délire? Learn, t'entends le grondement continu qu'il y a chez Ouais, moi? bah ouais, je l'entends. Bah, c'est dis-toi que c'est l'orage. Ouais, bah oui. Je m'en suis aperçu, là. Putain, mais j'étais à 3 de bonheur, c'est quoi ce Allez, délire, stop. là? Bon. Hop, j'éteins la caméra, je rentre le mini frigo Coca-Cola, je ferme la fenêtre parce que là, le truc qui va s'abattre sur ma gueule, ça va pas être joli joli à mon avis. Il a peur le Yanamu là. Voilà, ça c'était pas le tonnerre, c'était moi qui fermais les volets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Learn, chez toi? Bah, je sais pas pourquoi je suis encore dans le malheur, ça me saoule là. Ouais, moi je prends des bombes nucléaires sur bombes nucléaires à Valras. Tac tac tac. Catherine complote contre Mozak Muta. On s'en fout. Bon, Edimbourg a fini à l'Ermitage. Sous-marin japonais. Oh, mais il m'a encore pourri un bateau de pêche. Alors. Putain, c'est la violence là. Hop. Trop bien ça. Touc. Toi, tu vas te soigner.
Bon, j'ai besoin d'une université à Marseille, faire ouais, mais ça me servira à rien ça. Réparation. Ah, mais c'est ça en fait, c'est ce putain de sous-marin. Et j'ai rien pour. Ah, si, quand même. Allez, on va mourir. Je vais acheter encore des bateaux ateliers pour essayer de récupérer les baleines et tous les poissons qui sont là parce que c'est vraiment une source de nourriture entre autres, mais aussi d'or, vraiment beaucoup 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 pour l'or en fait. C'est une très très bonne ressource. Putain, mais pourquoi je perds de l'or? Mais c'est n'importe quoi. Bon, j'essaie Donc, de capturer le Luanda, capitaine ouais. et Yann Hanisme. J'essaie de capturer Luanda et après j'essaie de faire la paix. C'est toi qui vois. Ah bah, je vois, ouais. Là, je vois bien, là. Voilà. Faut que je fasse un grenier. Mais elle est en Ce résistance qui encore m'embête, pendant c'est deux cette tours cette ville-là. ville. C'est pour ça en fait il faut qu'on passe les tours là. Oui, il faut qu'on passe les tours. Toutes tes villes sont en résistance, non? Non non non, elles sont pas toutes en résistance. Ah bah Bon, je ça commence à m'attaquer à Luanda du coup. Allez. Ouh, je lui fais du gros dégât là. Toi aussi, tu prends des dégâts aussi, hein? Putain, je sais pas quoi en faire de mon artiste illustre à la con. Ouais, mais c'est clair, ils servent à rien, quoi, ces trucs-là. J'en ai un aussi qui traîne quelque part. Un musicien illustre. À la branle nulle. Voilà, deux méca colosses plus. Voilà, bon, Luanda sera capturé dès le prochain tour. Avec tous mes bombardiers furtifs là. Allez, tour suivant. Attends, 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 attends. Moi, j'en suis à vouloir passer le tour déjà, hein. Ouais, attends. Toi, tu vas te soigner. Ah, toi, tu vas. Paf, mon unité spéciale prise d'otage de ville. Boum! Et moi je pille comme un enculé. Allez Et hop, donc tu j'ai un libre répares. passage avec eux là. Attendez, j'ai pas compris là, ils me l'ont accepté le libre passage là, les mecs là. Si Ah, pas, très si diplomatique. possible, si possible, si possible. Choisir une construction. Qu'est-ce que je peux Ah faire ouais, la frontière me ici? sont ouvertes. Ah, mais ça change tout ça. Mais ça change tout ça. De quoi? Mais ça change tout ça, tout Bon, ça. allez, okay, au prochain tour, Luanda est à moi. Hop, 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 ça change absolument tout ça. Je préfère prévenir. On va aller faire un petit peu Tour d'exploration. suivant! Ah bah t'attends, du coup non, pas tour suivant, non. J'ai dit tour suivant! M'excuse, j'ai quelques intentions belliqueuses. Luanda sera à moi et les Portugais seront enfin boutés de cette partie du monde. Ensuite, je vais pouvoir me concentrer sur les Japonais pour aller choper Nagoya et Matsuyama, remonter sur Satsuma, Izumo, Tour suivant. Yokohama, pour choper tous les rivages là. Oh là 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 là, ce territoire. Donc les gens, vous voyez 7 méca-colosses, je les envoie pas tous parce que j'ai peur que, entre guillemets, eux là, ils me déclarent la guerre. Franchement, j'ai peur que eux me déclarent la guerre, clairement. Ouais. Ouah, je gagne de l'or là, attends. Lien rompu avec la Mongolie, Rigard. Oh putain, oh, échec du coup d'état byzantin. Wow. Oh, je suis à 309 millions d'habitants là, ça ne veut plus rien dire. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ouais, carrément.
Unité a été éliminée, bon ça c'est pas un problème. Bon, par contre, je vais être encore dans le malheur. Ah, ils veulent la réunion là-haut, hein, mec. Hein. Je vais être encore dans le malheur, mais bon, c'est pas très grave. Vous avez découvert technologie future. Encore, putain. ça fait depuis. J'ai 3002 sciences, dis-toi. J'ai 2300, j'ai réduit, j'ai enlevé tous les citoyens dans les universités, etc., etc., pour les foutre ailleurs. Ouais, tu m'étonnes. Bah, je vais pouvoir refaire du commerce bientôt là, parce que j'ai 8 caravanes disponibles, j'en utilise pas, donc je vais pouvoir en faire 3, 4, 5 et me faire la masse d'or. Mon dieu. Toi, tu vas pouvoir aller là. Tu vas pouvoir me décontaminer ça. Toi, tu vas aller là. Et tu vas me faire un bateau de pêche. Mon dieu, les baleines, comment ça rapporte. Un truc de ouf. Bon, allez, Luanda. Lol. Sachez un truc, oh, les gens. Oh, j'ai de l'uranium en plus. Oui, t'as de l'uranium en plus. Oh putain, je suis à 11 de malheur. Lol. Ça, par contre, ça fait mal au cul. Ça fait très très mal au cul, ça. Ça fait super mal au cul. Ah, ça fait mal au cul. Ah, mais au prochain tour, j'aurai une ville qui sera plus en résistance, donc bon. Du coup, Ouais, moi je suis à 3 de malheur pour l'instant, mais c'est pas fini encore. Alors. Ah, Virio! Ah, les pop-up Steam casse-couilles. Oh, ah, j'en ai pas moi de ça, les pop-up Steam. Ça, j'avoue, j'en ai pas. Ah, voilà, je réduis mon malheur. Et j'avoue que c'est très bien que j'en ai pas d'ailleurs. Ouais, tu les as retirés. Mon marchand illustre, tac, qui au prochain tour sera arrivé. Bon, les Japonais, ils font des siennes ou pas? Hop là. Boum. Allez, pareil. Toi, là, tu vas te faire une escouade XCOM également. Putain, c'est quand même la violence. Hein. Les bombardiers furtifs, putain que c'est pété. Hein. Ouais, c'est un peu pété, ouais. Toi, t'as un méca colosse en cours. Toi, t'as un méca colosse également. C'est très bien. Ça servira à défendre ici au cas où. Mais là, nous allons tenter une petite invasion, les gens. Là, moi, je dis, il y a une invasion qui se prépare. Une toute petite. Hein. Toute petite. Toute petite. Oh là là. Je me fais tellement d'XP. C'est con qu'on puisse pas avoir le niveau exact par contre des unités, ça c'est problématique. Ouais, ça. Hop, attends. Oh, j'ai encore une unité qui a popé. Enfin, qui a up. C'est cool. Et Valras qui prend missile nucléaire sur missile nucléaire, décidément. Ah mais j'ai arrêté de les compter, moi. J'ai arrêté de les compter, franchement. J'ai vraiment arrêté de les compter. Mais là, du coup, là, l'Empire ici, là, ils vont avoir affaire à moi. Alors... Va voir dans le pays, là, qu'il y a entre moi et le bleu clair. Ce qui arrive. Attends deux secondes, je gère juste les constructions. Oh, j'ai 4 d'uranium en plus, quoi. Ouais, c'est bon ça. Bon, maintenant on peut faire la paix avec. Avec le portugais, ouais. Je te laisse faire la négociation. À mon avis, t'as moyen de prendre au moins une ou deux villes en faisant la paix. Ouais. Oh putain, t'es en tribunal. Alors attends. Je fais quoi, négocier la paix? Négocier la paix avec le portugais? Ouais, et je lui demande quoi?
Déjà, regarde ce qu'il te propose. Ben, il me propose traité de paix pendant. Enfin, moi, je. Et moi, faire la paix avec Hanoï, Donc, cité-État, moi, ça. tu cliques en bas pour que faudrait-il pour ce conflit, pour que ce conflit cesse? Il veut. Cet échange. Il veut Toyama et Cassel. Hein? Il veut Toyama et Cassel. Moi, il me propose Evora, tu vois, pour faire la paix. Il m'offre ces villes, c'est ça? Ben moi, il m'offre Evora. Non, mais quand il y a des villes, des noms de villes de son côté, ça veut dire qu'il me les offre. Oui? Ah, donc il m'offre Toyama et Cassel. Ouais, c'est intéressant. Moi, je te conseille d'accepter. Bah ouais, carrément. Et voilà. Et voilà. Au revoir. Libérez la ville. Cette ville appartenait auparavant. Vous aurez le potentiel à lui rendre sa de son empire. Non. Annexe la ville. J'annexe la ville. Par contre, je suis à 15 de malheur et je perds moins de sang. Moi, si j'étais toi, je serais d'abord passé par la case ville fantoche, tu vois. Ouais, mais c'est pas grave. Oh ouais, mais par contre. Oh, c'est juste à côté de chez les Jap. Ouais. Ça va. Ça c'est un peu con, ça. Ça, c'est un peu con, par contre. Pendant 9 tours ici et là pendant 5 tours. Oh là là, j'ai trop de villes en résistance. On peut pas faire la paix avec les Japonais là? Essaye. Non. Non, ils veulent pas. Bon, par contre, je vais échanger avec la Portugaise. On Échanger. a fait la paix avec Genghis Khan, ça fait du bien ça, parce que alors. Je commençais à en avoir un peu marre de voir leurs troupes sur mon territoire. Alors, est-ce que je peux faire des routes commerciales? Non, il y a un embargo sur eux. Ah ouais, merde. Oh putain, merde. Évidemment. Fuck. Bon, bah d'accord, hein, au revoir, hein. Allez, tour suivant, Lern. Ouais, il y a moyen que je fasse une arme nucléaire après. Ah putain, alors eux, va falloir que. Oh, faut faire un putain de. Hein? Ah, elle est en résistance pendant 9 tours. Qui ça? Les deux autres villes. Ah oui, c'est sûr. Faut qu'elle y a déjà un tribunal. C'est bizarre. Où ça? Non, c'est étrange. À Toyama, il y a déjà un tribunal? Non, à Cassel. Oui, à Toyama. Ah ben forcément, c'est une ville qu'ils ont pris Ah bah oui, je suis con. aux Japonais. Allez, tour suivant. Bon, en tout cas, j'aurai une ville qui sera plus en résistance, donc déjà, ça me frappe. Ah, attends, merde, est-ce que j'ai bougé ça? Ouais, c'est bon. Bon, bah, on va pouvoir s'arrêter là, en plus, hein. Va en bas, va en bas du côté, juste à droite de mon territoire. Oui. Oh! C'est n'importe quoi, tous les méca colosses! sont en cours de transit. Oh putain, mais tu vas où là? Ah, juste à côté. Ah, tu vas niquer l'Indonésien là? Ouais, j'ai un petit peu commencé à moucher l'indonésien, ouais. Je Quoi? vais essayer d'y prendre un bon. Troupes ennemies ont été repérées. Oh merde! Oh putain! Amsterdam et tout! Tous les barbares, ils vont tout me piller, les enculés! Ah, il me tarde de voir ça. Il me tarde vraiment de voir ça. Oh, fait chier. Bon, on s'arrête là, du coup, ça Bah, fait on un passe tour. encore un tour, ça fait que 38 minutes, on a l'habitude de faire les 45. Bon, d'accord, allez, on fait un seul tour, mais là, par contre, là, je suis pas très joyeux, là. Là, je suis pas très joyeux. En plus, il a que des lance-missiles, les trucs qui servent à rien, quoi. Lol. Juste des trucs. Oh con, il y en a un paquet, hein. Oh le truc, combien il en a, quoi? Et c'est pour ça que ça me fait chier. Bon, c'est pas grave. Ça me fait de l'XP pour mes bombardiers furtifs. hop. Ouais, on peut le voir comme ça, ouais. Heureusement. Oh putain. Non, j'ai mal cliqué.
Paf. T'as, ils font du dégât. Hein. La vache, ils font du dégât. Le contraire m'aurait étonné. Sauf que ces salopes. Ils vont tout me piller, quoi. Du calme, les mecs. Le septième, il est là, s'il vous plaît. Ils vont tout me piller, putain. Ah, ils vont tout me piller, les salauds. Allez, mission commerciale déjà. Voilà, ça c'est fait. Hop, la base militaire. Alors, Dublin. Je remarque, Dublin, que tu n'as pas d'unité, donc tu vas te faire un petit ex-squad comme toi aussi. Hein, juste histoire d'assurer un tout petit peu le bonheur, quoi, parce que sans déconner. Je commence à entamer Nagoya. Et je lui fais beaucoup de dégâts d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Non. Non, 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 non. Nous voulons ici quelques petites escouades XCOM, s'il vous plaît. En fait, je fais des troupes ici, les gens, uniquement pour assurer le bonheur, parce que sans ça, ça, il n'y a pas de bonheur, quoi. Tout simplement. Ah, je vais capturer un colon en plus. Bim. Voilà. Donc là, je peux te dire que Théodora vient de flipper de voir 7 Mechacolosses passer. Tu m'étonnes. Mais en fait, c'est pas pour elle, quoi. Voilà, comme ça, on attaque le prochain épisode et en fait, je lance l'assaut contre certaines villes indonésiennes de Gajah Mada. Il faut que je fasse un ouvrier pour aller tout réparer. Allez. Ah, moi, il m'en faut aussi 2 à Valras à La Réunion pour tout réparer, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité, quoi. À l'heure actuelle, ce n'est clairement pas d'actualité. Ah, oh, j'ai plein de trucs à faire ici. Grenier déjà. Ici. Écoute, Riga, c'est tant mieux faire la guerre. On va faire la guerre ensemble, il n'y a pas de souci. Hein. T'es allié avec personne, toi, pour l'instant? Ouais, bon. Alors là, si le Byzantin il fait une ville juste en dessous de Valras Plage pour me prendre l'uranium, je vous jure, il va y avoir une bombe nucléaire qui va partir illico presto. Allez, tour suivant pour moi. Et après, pour ça, on va pouvoir clôturer cet épisode. Ah, je commence petit à petit à tout réparer. Bon, et ben, oh putain, vite. Faut, quoi? Faut pas que je passe le tour. Ouais, ça je m'en fous, ça je m'en fous, ça je m'en fous. Tour suivant. Tour suivant, les gens. Le tour suivant du bonheur qui permettra de clôturer ce 31e épisode officiel. Ouais, avec tellement de captures de villes. Ah ouais, tellement, tellement d'actions là. Le 39e épisode officieux. Hein, voilà, qui n'est pas officiel. Hein, voilà. J'ai oublié le terme, le 39e épisode noir. Bref, donc merci à tous. N'hésitez pas à laisser des pouces verts, des commentaires, des pouces pas verts, ce que vous voulez en dessous des vidéos. Ouais. Et je vais laisser la parole à Learn to Play. Ben de même, hein, n'hésitez pas. Enfin, j'espère que vous avez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai bien pris mon pied là, capturer toutes ces villes. Bon, je suis dans le malheur, c'est la merde, mais bon, quand même. Troupe, attends, je vérifie les barbares là. Ah, qu'est-ce qu'ils font hein? Ouais, bon, bah, il casse les couilles, hein, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher plein de commentaires, et puis nous, on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous, et portez-vous bien. 1, 2, 3, ciao, ciao!